Au cours de la nuit, Mohamed eut une vision. Il vit Abou Talib disparaître dans une maison délabrée, située dans une rue étroite de la ville. En même temps, une voix lui dit « Mohamed, pars à la recherche de ton oncle. Il a besoin de toi. » L'indignation envahit l'âme du jeune homme. À présent, il devait en plus s'occuper du dissident. Mais quand il songea que la voix qui lui donnait cet ordre était celle d'un messager lumineux, sa révolte s'apaisa et il s'exécuta. Bien qu'il ne connût pas la ruelle qu'il avait vue en image, il se laissa guider et se rendit à la ville. Il était tellement plongé dans ses pensées que le chemin ne lui parut pas long. Il atteignit les premières maisons plus tôt qu'il ne s'y attendait et rencontra alors un petit garçon qui pleurait à chaudes larmes. L'enfant avait marché sur un morceau de verre tranchant qu'il avait blessé au pied, si bien qu'il ne pouvait plus faire un pas. Mohamed pansa la blessure et prit l'enfant dans ses bras. « Peux-tu me montrer où tu habites ? » demanda-t-il à celui qui commençait à se sentir en confiance. « Oui, je te dirai toujours où tu dois tourner, et nous serons bientôt à la maison. Comme maman va être contente de me voir enfin rentrer. » Car l'enfant avait passé toute la nuit dehors, sa blessure le faisant trop souffrir quand il marchait. « Maintenant, nous sommes tout près de la maison, » dit soudain le petit. Mohamed regarda autour de lui et reconnut la ruelle qu'il avait vue pendant la nuit. En prenant conscience de la façon sûre dont il était guidé, il fut envahi d'un tel sentiment de gratitude qu'il ne put faire autrement que de se laisser aller à la joie. Il posa à terre l'enfant blessé, leva les mains et remercia Dieu du fond du cœur. Ensuite, il reprit son protégé dans ses bras et ne fut nullement étonné de voir ce dernier le conduire vers la maison qu'il connaissait déjà. Une femme en larmes se précipita dehors. Elle prit dans ses bras l'enfant qu'elle croyait mort et pria Mohamed d'entrer et d'accepter son hospitalité. C'est ainsi qu'il put pénétrer sans peine à l'intérieur de la maison où il souhaitait avoir accès. Et à nouveau, il dit du fond de l'âme « Seigneur, je te remercie. » La mère allongea l'enfant sur une couche et s'occupa tendrement de lui. Ensuite, se tournant vers son hôte qui l'avait tant aidé, elle le remercia et lui apporta à manger. Tout en apaisant sa faim, Mohamed demanda à la femme s'il n'y avait pas déjà quelqu'un d'autre sous son toit. Elle commença par le nier, mais sous le regard pénétrant de Mohamed, elle rougit et dit « J'ai recueilli pour quelque temps chez moi un parent malade. »« Alors nous sommes aussi parents, » répliqua Mohamed en riant, « puisqu'Abou Talib est mon oncle. » Horrifié, la femme regarda celui qui était en train de rire. « Ne prononce pas son nom, ami, » l'implora-t-elle. « On recherche celui dont tu parles. C'est pourquoi il s'est caché ici dans l'une des maisons les plus misérables, où personne ne risque de venir le chercher. Comment as-tu appris qu'il était ici ?»« Je le sais, » répondit simplement Mohamed, « et je dois lui parler. » Il le souhaitera lui-même si tu lui dis que Mohamed de la Mecque est ici. » La femme partit, pour revenir au bout de quelques instants en lui demandant de la suivre. Après avoir monté un escalier très raide, ils se trouvèrent devant une porte. La femme indiqua à Mohamed que c'était là qu'il devait s'adresser, puis elle redescendit. Le jeune homme entra sans se faire remarquer. Il découvrit sur une misérable couche un Abou Talib véritablement malade et en piteux état, qui se mit à trembler de peur en apercevant celui qu'il avait cru mort. « Que
me veux-tu, Mohamed, messager du Tout-Puissant contre lequel j'ai témoigné ? Demanda-t-il tout tremblant. Toute trace de colère avait disparu chez le jeune homme. Plein de compassion, il s'approcha de celui qui souffrait et dit « Le Seigneur m'a ordonné d'aller à ta recherche, parce que tu as besoin de moi. » Abou Talib se mit à pleurer. « Le Tout-Puissant, serait-il si bon avec moi qui suis si indigne ? » s'écria-t-il à plusieurs reprises. Il ne pouvait croire à tant de miséricorde. Tout d'abord, Mohamed ne fit rien pour encourager cette idée. Il commença par s'occuper de questions matérielles concernant son oncle. Dans la poche de son vêtement, il trouva de l'argent, avec lequel il fit des achats. Ensuite, il apporta à Abou Talib une boisson réconfortante et arrangea sa couche. Une fois Abou Talib endormi, Mohamed retourna près de l'enfant, qu'il trouva bien installé sur sa couche. « Chante encore le joli chant que tu chantais dans la rue, » lui demanda le petit. « Maman aimerait l'entendre. » Et Mohamed fut heureux de pouvoir chanter son psaume, tandis que le visage de la femme se couvrait de larmes. « Ami, es-tu juif ? » demanda-t-elle. Sans attendre la réponse de Mohamed, elle lui raconta qu'elle était juive, mais qu'elle avait épousé un fétichiste. Au début, cela lui avait été égal, mais maintenant elle aspirait à entendre de nouveau parler de Dieu. Alors Mohamed raconta ce qu'il savait du Dieu des Juifs. Tous trois étaient tellement absorbés qu'ils ne voyaient pas le temps passer. Mohamed parla aussi du Messie qui était venu, mais que bien peu avaient reconnu. Il parla ensuite de la mort du Fils de Dieu sur la croix. Comme chaque fois qu'il en parlait, il était rempli d'amertume. La peine qu'il ressentait à la pensée du Fils de Dieu assassiné lui serrait le cœur. La porte s'était ouverte doucement. Abou Talib, sorti de son sommeil réparateur, était entré, juste au moment où Mohamed commençait à parler du Messie. Sans être vu, il s'était installé sur le sol, à côté de la porte, et écoutait ce que son neveu proclamait avec des mots éloquents. Il en fut saisi à un tel point qu'il se mit à sangloter. C'est alors que les autres remarquèrent sa présence. Ils le conduisirent vers un siège confortable en lui disant de bonnes paroles. Quant à lui, il confessa la grande faute qu'il avait commise envers Dieu. « Tu peux la réparer, Abou Talib, » dit Mohamed avec conviction. « Annonce à présent Dieu de la même façon que tu l'as renié jusqu'ici. » « Mais Mohamed, maintenant que tu as interrompu ma réunion publique, le peuple ne voudra plus m'écouter, » dit l'oncle en soupirant. « Si tu ne peux plus t'adresser aux foules, commence par de petites réunions, » répliqua Mohamed sans se laisser déconcerter. « Crois-moi, les temps ne sont pas encore mûrs pour tes projets. Il faut d'abord que nous soyons en mesure de proposer aux gens quelque chose de nouveau et de valable avant de leur demander d'abandonner ce qui est ancien et sûr. » « Mais quand pourrons-nous le faire et de quelle façon ?» demanda Abou Talib découragé. « Dès que je serai en âge d'être l'instrument de Dieu, » rétorqua Mohamed. Ils parlèrent encore de choses et d'autres. Puis tous deux regagnèrent pour y passer la nuit la pièce où Abou Talib avait trouvé refuge. Le lendemain, l'oncle voulut savoir comment Mohamed envisageait le proche avenir. « Je vais te conduire à la Mecque, » lui assura le jeune homme. « Là, tu seras à l'abri des recherches. »« Je le crois aussi, » dit Abou Talib. « Il n'y a qu'ici, dans cette ville, et pendant le voyage, que je risque d'être en danger. »« Nous surmonterons tout danger, » s'écria Mohamed, séduit par l'aventure. Après en avoir débattu avec leur hôtesse, il loua un âne robuste, ainsi qu'une selle confortable, comme celles qui sont utilisées par les femmes.
Abou Talib dut revêtir des vêtements féminins et s'envelopper d'un voile. Mohammed conduisait l'âne. Ils sortirent sans encombre de la ville et il ne leur arriva rien de fâcheux durant le long voyage. Abou Talib ne changea de vêtements que lorsqu'ils furent près de la Mecque. Il eût été trop honteux pour lui d'entrer dans le palais de ses pères, habillé en femme. Mohammed se réjouissait de retrouver l'endroit où il avait passé son enfance, les vieux serviteurs, et tout particulièrement Mustapha à l'accueillir avec joie. Tous voyaient en lui le maître et l'héritier. Il prit des nouvelles de Sarah et apprit qu'elle n'était plus de ce monde. Mohammed se reposa pendant quelques jours, puis il alla trouver Abou Talib pour lui dire qu'il désirait à présent subvenir à ses propres besoins. Il s'était attendu à ce que celui-ci lui réponde qu'il n'avait pas à le faire, puisque toute la fortune de son père lui appartenait. Et il s'était préparé intérieurement à lutter contre cette objection. Mais ce fut chose inutile. Abou Talib le pria de rester au palais et d'être son hôte, car il avait suffisamment de biens pour les faire vivre tous les deux. Cette façon de voir ne fit que renforcer Mohammed dans son idée de se libérer de tout ce qu'il possédait. Il savait qu'il lui faudrait voler de ses propres ailes quand l'appel de Dieu parviendrait jusqu'à lui. « Et que comptes-tu faire ?» demanda Abou Talib, se réjouissant inconsciemment que Mohammed lui facilita tant les choses pour qu'il puisse conserver ses richesses. « Je veux devenir marchand, comme mon père l'était avant moi, » répondit le jeune homme. Mes rapports avec les employés, de même que les connaissances acquises dans les entrepôts quand j'étais enfant, me permettront de m'habituer facilement. De toute façon, ce n'est qu'une étape transitoire, conclut-il.